Hey! Bonjour ou bonsoir à toutes et à tous. J'espère que ça va bien pour vous parce que pour moi, ça va très bien. Donc nous y voici pour un nouvel épisode de. Enfin, un nouvel épisode. Une nouvelle aventure suivie, que dis-je? Une nouvelle aventure suivie qui sera dans le chaos et le mal. Bon, si vous n'êtes pas trop con, vous avez lu le titre, je le sais. Donc, bienvenue sur Alone in the Dark. Donc très vieux jeu. Donc bon, en fait, j'ai pas encore sorti là, pour ceux qui se demandent au cas où, j'ai pas encore sorti le dernier épisode de Black and White 2. Donc pour vous, vous demandez qu'est-ce que fout cet épisode-là, du coup. Bref, passons. Nous, j'ai fait tous les réglages de son qu'il fallait, tout ce qu'il fallait au niveau du de l'optimisation, etc. Le jeu se lit en non ta gueule. Le jeu se lit très bien en comment dire haute graphique voilà donc voilà ce que je veux dire. Enfin bref, sur ce je pense qu'on peut commencer. Donc pour ceux qui se posent la question, je crois que c'est interdit au moins de 12 ans je crois. Ah non, interdit moins de 18 ans. Donc voilà, je plaide non coupable pour ceux qui sont choqués par la suite de ce jeu. C'est un jeu d'horreur. Donc, faites gaffe à ceux qui n'aiment pas les jeux d'horreur, etc. Voilà. Allez, on lance tout de suite ce magnifique jeu qui a fait une bonne partie de ma jeunesse. On fait quoi maintenant? On suit le plan. Point. Mais c'était pas supposé. Oh, du calme. Tu sais à quoi on a affaire. Ça fait partie des choses qui arrivent dans ce genre de boulot. Tu te fous de moi? Ces fissures, elles sont sorties de son corps comme si elles étaient vivantes. Reprends-toi, Ahmet. La voie de lumière est enfin à notre portée. Rien ne doit gâcher ça. Rien. Contente-toi de t'en tenir au plan. Et celui-là, t'es sûr qu'il a son compte? On va le savoir. Regarde-moi. Ah. Non. Non, je veux pas t'en regarder. Oula, il y en a Allez, du mon sang. vieux, ouvre les yeux. Wow. Pour éclairer votre vision des yeux. Cligner des yeux X. Ah oui, c'est vrai, c'était une partie du jeu qui. Là, il faut moins les jetons, hein. Ah oui, c'est pour moins brouiller Putain, les il trucs. baffe comme un bébé, c'est devenu un légume. Grâce à Paddington, c'est plus qu'un type comme les autres. Il nous causera pas d'ennui. J'espère bien. Edward, qui t'a permis d'ouvrir? Jusqu'à maintenant, j'ai été sympa avec toi. Mais là, si tu commences à la ramener, tu vas savoir ce qu'est la souffrance. Quand notre cher ami là-bas sera mort, Paddington sera la seule personne à pouvoir manipuler la pierre. Vous ne voudriez quand même pas compromettre toute l'opération, n'est-ce pas? Non, monsieur. C'est ce que je pensais. Monsieur Ahmet, vous escortez Paddington avec moi. Les gars qui. Si vous arrivez à faire ça avec vos yeux quand même. Pardon. C'est comme si c'était fait. Vite! Il faut que je me lève. Ça se fait automatiquement, ok. Par là. Quoi? Je suis dans lui. Un seul coup d'œil vers moi et je t'envoie tout par la porte. Ok, calme, calme. Ok, les gars, ok. Tourne à gauche. Ah. Pourquoi vous êtes encore là? Emmenez-le sur le toit. Vite, ne nous retardez pas. Ne t'inquiète pas. Oh là là. Ils ne peuvent pas me faire de mal, mais tu dois. Laisse-moi l'ouvrir pour toi. Viande froide. Allez, viande froide. En haut et à droite. Donc je vous avouerai que je ne me rappelle plus du tout du jeu. Hein, donc évitez de spoiler dans les commentaires, etc. De toute façon, pour les autres. Pour les autres viewers, quand même, ayez le respect quand même d'autrui. Ah ben en même temps, je peux tourner que à droite. Allez, espèce de... Ta gueule. Allez, faisons ça vite. Ah, il veut que j'avance. Ah mais c'est un taré. Qu'est-ce que... Et je reçois des coups de quelque chose. Ah.
C'est qui la viande froide maintenant? Ok, ça commence déjà très fort. Donc je ne peux pas courir. Hein. Je ne peux pas courir. Donc si vous me posez des questions... Le câble qui se barre dans tous les sens. Ok. Qui suis-je? Wow, la cicatrice. Classe, très classe. Oh de Dieu. Mais qui je suis? Bah tiens, d'accord, je savais même pas. Franchement, je ne savais pas. Je ne savais pas qui il était. Alors juste après, je vais vous lire un peu le résumé. Alors désolé, je me penche. Hop. Je vais vous lire un peu le résumé du jeu qui est derrière la boîte. Ok. Ah, c'est parce que je me disais, c'est un jeu un peu à la troisième personne à la base. Alors attendez, est-ce que je peux jouer à la manette? Non, je sais pas pourquoi, ça reconnaît pas ma manette, alors que pourtant c'est une manette Xbox 360, mais bon. Là-dedans. Parce que les touches sont un peu bizarres. C'est pas trop tôt. Et s'il refuse de nous montrer la voie, s'il essaie de nous baiser... Il n'a pas le choix. Il fera exactement ce qu'on voudra. Tu entends, Paddington? Il y a des manières de torturer un homme qui vont bien au-delà de la simple mutilation. Nous avons eu beaucoup de mal à vous réunir, toi et cette pierre, Théo. Tu es le seul à savoir comment maîtriser son pouvoir. La diriger, la guider. Tu seras le porteur de lumière. Si tu refuses, tes souffrances deviendront légendaires. Vous êtes fou. Vous avez vu ce qui s'est passé, c'est peine perdue. Ah oui, on verra ça. Vous entendez? Oula. C'était quoi ce putain de bruit? Quoi, quel bruit? C'est encore ces fissures. Elle... Il reste à côté de la fissure. Mon Dieu. Oh, ça doit faire mal. Oh, j'aimerais bien avoir le même barquet. Il serait pas tout seul comme ça. Ok. Alors là, je peux pas contrôler la caméra, à part si je me mets en fait alors comme ça, ok. Voilà, il faut appuyer sur E. Mais parce que j'apprends les touches en même temps. Hein. Oula, oula. Non, mais qu'est-ce qu'il fait? Ok, donc ça je sais pas ce qu'il veut faire avec. Ah d'accord, une corde, pourquoi pas. Mais c'est bon, j'arrive, tu peux attendre un petit peu s'il te plaît. Pour éviter les obstacles, espace, ok. On va tourner autour. Allez, wow. Hop. Je fais une prendre le ventilo. Oh là 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 là. Attendez, les deux. Mais qu'est-ce que... Oh, j'ai dû me prendre... le bout du câble, je ne sais quoi. Pour l'instant, il va falloir vous débrouiller. Hein? Toute seule? Mais comment? Ok. Essayez d'ouvrir la trappe de maintenant,
Déplacez les obstacles en utilisant votre corps. Ah bah voilà, ça y est. Oui. Ah. Vous là-bas, vous feriez mieux d'y aller mollo. Descendez doucement. Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? Oula! Ouais, mais je fais quoi là? Zut. Ok, attendez. Attendez. Peut-être que je dois me balancer. Oui! Ok. Oh putain, sa caméra se dirige avec le dos du... Ok. Je peux pas la diriger avec le... Toujours pas avec la manette. Alors. Oh, salut. Coucou. S'il vous plaît, monsieur, il faut nous aider. Il est blessé, il ne peut pas sortir. Vous avez vu les murs? Ils sont vivants. Comme dans un cauchemar. Ils s'ouvrent et ils nous avalent. Je les ai vus, c'est vrai. Faut arrêter la coque, madame. Toi, on va trouver un moyen de sortir. Qu'est-ce que c'est que ce délire? Tout ira bien. Maintenant, okay. Dis-moi où sont les autres. Il veut pas. Tu entends? Je les sens. Ils reviennent. Je le sais. Ils viennent nous chercher. Toi, moi, tous ceux qui restent. Partout, tout autour de nous. Tu peux regarder sous ta jupe. En attendant. C'est ma faute. Bon. Ils nous attraperont comme ils ont attrapé les autres. Ah, enfin un personnage qui n'est pas débile et qui passe entre les poteaux. Au lieu de pouvoir les déplacer. Alors attendez. Ah oui, on peut taper avec ça, c'est bien ce que je me disais. J'éteins le feu. Ah bah oui. Lâche ça. Ah oui, on peut courir, ça y est. Pour vaporiser, bouton 0. Quoi, bouton 0? Alors je cherche, hein. J'essaie de chercher, je vois pas le bouton. Bon. Mais non. Alors attendez, je cherche le bouton. Ah, c'est haut. Non. Oh. C'est quoi ce bouton? Il n'est pas, qui n'existe pas. Bon, mais écoutez, le truc s'éteint. Vous m'avez fait une de ces peurs. Vous avez enfin... Ah, d'accord, non. Je suis blessé, je n'arrive pas à ouvrir la porte. Qu'est-ce qui se passe dans cet immeuble? Anna! Je vais voir ce que je peux faire. Alors, attendez. Bon, j'arrive pas du tout à... rien. Il faut trouver un autre moyen de l'ouvrir. Vous avez vu... Oui, mais... Pourquoi elle se comporte comme une folle? Attendez, c'est pas avec ça en fait, c'est pas en se mettant à la vue à la première personne. Ah bah si. C'était quoi ça? Vous avez entendu? Oui, c'était moi. C'était quoi ça? Bah, c'est moi avec le détecteur. C'est ça, ils reviennent dans l'entrée. Reculez. Je vais défoncer cette porte avec l'extincteur. Je vais, dit-il. Tiens, la porte. Prends ça, la porte. Faites vite! Je viens de voir une autre fissure courir sur le mur! Ah, ne
Oups. Ah ouais, c'est vrai, il faut le temps. Bon, ça y est, je viens de trouver un peu. Le bouton 0, c'est le même bouton que pour frapper en fait, mais il faut juste se mettre à la première personne pour. Pour pouvoir, comment dire. Utiliser l'instincteur. On n'entend rien de ce qu'ils disent. Il y a une sortie à droite. Perdez pas de temps. Les flammes avancent vite. On va éviter que les flammes se propagent. Alors je sais pas si l'instincteur est infini. Allez, allez. C'est bon là, il y en a juste là. Vous ne pouvez pas sauter si vous transportez. Ok. Oui. Wow, j'ai cru que j'allais me rater. Pour faire demi-tour, halt. Ah zut. Je crois qu'il est foutu. On voit votre veste avec I. Ah oui, punaise, mais waouh, ça fait tellement longtemps que j'ai pas joué. Waouh. Waouh, waouh, waouh. Les flammes qui me font des dégâts. Oh, et merde. Si je tire dans la serrure. Putain, il m'a fait peur le con. Wow, wow, wow. Qu'est-ce que je vais devoir faire? Je me prépare au QTE. Ok. Non, en fait, j'ai rien à faire. Lorsque vous êtes blessé, vous avez besoin d'objets appropriés pour vous soigner. Le saviez-vous? Être blessé fait mal. Ah oui, punaise, je m'en rappelle, ça y est, du jeu, mais alors là. On va pouvoir tellement s'amuser, les gars. Alors, ce qui est un peu chiant, c'est que. Comment dire? C'est que. Le seul problème, là, c'est que je joue au clavier souris et j'aimerais bien jouer avec la manette, mais je n'y arrive pas. Je peux pas jouer avec la manette. Et oui, c'est des sprays magiques. J'étais en train de mourir. Oula, je sais pas où je suis. Je suis où là? Ah. Bah, monte. Ah, faut que je tourne ici. Ça. Qu'est-ce que je. Alors désolé, mais alors ce que je vous sers là, c'est vraiment de la merde. Hein. J'en suis désolé. Faut juste que je m'habitue en fait au bouton du jeu, ce qui est un peu dur. Pourquoi il veut pas se soigner? Alors est-ce qu'il y a des gens qui peuvent se soigner? Je pense que oui. Monte. Non, il peut monter. Je sais pas où aller alors. C'est pas trop dur. C'est bon. Oh zut. Wow. Au ralenti, ça donne bien. C'est le bordel. C'est complètement le bordel. Je croyais qu'il y avait des QTE, mais en fait, pas du tout. Ah, la ville, elle est sous le bordel, quoi. Allez, je vous lis le résumé. Elon the Dark.
Central Park n'a pas été conçu comme un havre de paix pour les habitants de New York, mais pour quelque chose d'une nature bien différente. Aujourd'hui, la vérité est sur le point d'apparaître au grand jour. Voilà, c'est une petite revue. Il s'arrive que j'attrape un câble électrique. Bon. Allez, on monte. On sautait du câble. Ça va ? Tout va bien ? Vous n'avez rien ? Bah non, la preuve, je suis là. Allez. Oui, j'ai compris qu'il fallait que j'utilise Alt droite. Ah, mais il faut pas que je... j'utilise Alt. Ah, mais Alt droite. Ok. Je crois que j'ai fait une conne. Ouh, mais j'étais pas attendu. Hein. Allez. Voilà. Oui, ça va. Avance au lieu de parler. Ta gueule. C'est moi qui fais le combat de ici. Ouh, ça a dû faire mal. Allez, avance. Par ici. Tu vas avance. Toi, tu vas tomber, je le sens. Et pas moi. Parce que je suis très intelligent. Ok, non, c'est ici. Wow. La voiture qui passe juste à côté de moi. Alors on va monter. Apparemment, il faut grimper. Hop. Et comment la caméra se positionne? Oui. Ah bah avec A c'est beaucoup mieux. Pourquoi Alt droite, il me disait, c'est n'importe quoi. Oui, donc désolé hein, si je suis un peu mou, je fais encore connaissance des touches. Ouais, continue. D'accord. C'est limite une pause dessus. Tiens, je t'offre une plateforme. Faudrait que j'aille au-dessus. Ok. Bon, ben voilà, il y a un extracteur. Comme nous avons le temps pour les énigmes, je veux dire. Voilà, hop. Hop. Bon, c'est pas vraiment une énigme, mais bon, c'est, voilà. Vous avez compris, quoi. Oh, presque. Faut retenter. On va retenter ceci. Donc aussi je parle des épisodes un peu. Les épisodes passeront de. Vont à. Comment dire, vont faire à peu près 30 minutes de. Enfin 30 minutes. 40 minutes de temps. Parce que c'est plutôt bien, 40 minutes de temps. Non. Bon, il faut vraiment que je le mette sur le côté en fait. Genre comme ça. Un peu chaud. Ça se barre un peu dans tous les sens. Voilà.
Mais non! Pourquoi ça veut pas? Il doit y avoir un truc, c'est pas possible. Est-ce qu'il faudrait que je le mette en fait sur le côté droit comme ça? Hop. Ou est-ce qu'il faut que je saute directement sur la corde pour que ça aille plus haut? Ah d'accord, fallait que je saute dessus, enfin je crois. Je dis ça mais je sais pas si c'était ça. Bon, les contrôles au clavier sont un peu bizarres. Je m'étais habitué à ce jeu avec les manettes et du coup c'est resté dans mes mains. Donc m'habituer au clavier ça va être un peu dur, ça va mettre du temps donc j'en suis désolé d'avance. Voilà le câble du secteur qui se barre dans tous les sens. Voilà, c'était bien tout ça. Voilà, j'ai sauvé au moins 30 personnes. Je suis un héros. Voilà. Hop. Est-ce qu'il y a des choses par là? Non, il n'y a pas de choses. C'est quand même un peu mieux de se déplacer avec la souris. D'accord. Alors tu m'expliqueras l'intérêt de ça là que tu viens de faire. Ok. Hey, vous. Ah t'es encore là toi? Dépêchez-vous vite. Attention. Wow. Les câbles du mur. Wow. Qu'est-ce qu'elle fait? Je vais attaquer là. Non plus, il faut pas que je regarde en bas, je crois. Allez, allez. Tiens le coup, le câble, s'il te plaît. Bonjour mademoiselle. Vous savez, j'ai vu certaines de vos parties qui étaient très intéressantes et je me demandais, voulez-vous coucher avec moi? Bon, arrêtons nos conneries. Je peux pas l'ouvrir. Oh, c'est mal, ouais. T'attendras un petit peu. Il faut trouver Jack. C'est un des gardiens de l'hôtel. Il saura quoi faire. On peut pas fouiller les tiroirs, ok. Hop. Et mais en fait... Alors c'est un peu dur. Désolé. Arrêtez. Eh mais t'es sur le chemin. Ah ben voilà. Soyez prudents et restez sur vos gardes. Vous avez les murs sont dangereux. Bah, c'est un peu le principal danger en fait dans cette ville, vous voyez? Oh, sortez-moi de là, je vous en supplie! Ah. Alors, elle met ses genoux dans le vide, c'est très pratique. Ah, elle va se faire tuer. Bah saute. Ah ah non, non, au secours. Voilà, wow, le bug des textures. C'est magnifique. Elle se fait avaler par les textures. Y'a pas d'extracteur par là? Il y a un bouquin ici. Alors attendez, je le pousse. Toujours je fais ça, surtout avec ta femme. Bon, et ça je peux pas... Ah voilà. Non. Méchant. Méchant. Lâche ça. Bon, attendez. Hop, voilà.
Il veut pas l'ouvrir. Bizarre. Bon, tant pis. Hop là. Ok. Ça va être un peu chaud. Non mais non. Ah oui mais vas-y, je me prends tout ça quoi. Mais non. C'était ridicule. Alors je crois que je suis pas mal blessé, mais je sais pas où est-ce que on voit à quel point j'ai mal en fait. C'est ça que je veux dire. Enlève ça. Voilà. Ah non, en fait, je veux aller par là. Voilà. Hey, est-ce que ça va? T'as encore toi? Et vous allez tous mourir, j'en suis sûr et certain, je sais pas pourquoi. Pourquoi je perds mon temps avec vous? Les plombs sautés dans cette pièce. Vous trouvez quelque chose pour vous éclairer? Oui, manipuler l'objet que vous tenez avec un œil. Voilà une des mécaniques encore du jeu. Et je trouve que les mécaniques du jeu sont vraiment sympathiques. Ok. Alors le gars, il a... Comment dire? Il a la chaise qui brûle dans ses mains, il n'a rien à foutre, il veut survivre. Vous avez vu ces fissures? C'est quoi ces saloperies? L'immeuble est en train de s'effondrer. Hop, hop, hop. GG moi. Je suis très fort comme vous pouvez le voir. Attention. Ya. Je sais pas ce que c'est ça, je crois que c'est des louches. Allez, allez, on monte. On monte s'il vous plaît. Voilà. On prend une chaise. Oui, oui. Voilà. Voilà, c'est un peu dur à digérer. À diriger, je veux dire. Digérer. Voilà. Et on fait tout doucement. On court un peu. Pour se crouiller un peu quand même. Ok. Oui, c'est bon. Toi, mets deux pas. Hein. Anna, c'est moi, Jack. Wow, la puissance. Oh. Qui es-tu? Qu'est-ce que tu lui as fait? Elle est l'une de mes hôtes. C'est l'expression de visage. Comme tu l'étais autrefois. Toi, mon pantin le plus parfait. Voulez-vous vraiment sauvegarder votre progression? Bah bien sûr. Je crois que c'est le deuxième chapitre là. Enfin je sais pas. C'est quoi cette histoire? Tu as oublié, mais ne t'inquiète pas. J'ai gardé les clés de ton esprit. Maintenant donne-moi ma pierre. Je n'ai pas ta pierre. Et puis va te faire foutre. Bam. Wow. J'ai cru qu'elle allait me faire en mode catch avec le coup de descendant et tout. Ah merde. Ow. Tu me fais un peu mal. Wow wow wow. Bonjour les chaises en bois qui ne servent à rien. Wow, je prends cher. C'est la première fois que je prends aussi cher par une femme. Bon.
Hop. Alors je suis désolé, il y a encore mon chat qui gratte à la porte. Préparez votre coup, frappez. Ah mais bordel. Oh. J'ai une vie infinie ou quoi? Oh. Non. Je savais pas qu'il y avait des katanas dans ce jeu, j'avais oublié. C'est un peu dur le combat, hein. Le combat est très très dur à diriger. Et puis, la maniabilité aussi sur clavier est vraiment... Allez. Ah, je crois qu'elle est morte. Ah non. T'es morte, c'est bon? Monstre avec le feu. Est-ce que je peux... Alors, attendez. Je marche dans le feu en mode normal. Ok. Allez, viens ici toi. Ouf. Alors je sais pas si je peux mettre du feu sur le katana. Eh, c'est bien. T'as peur du feu? Viens ma grande. Ah, t'as peur là, tu flippes ta mère hein. Alors, il faut que je trouve en fait un truc inflammable. Ou je ne sais quoi. Ou au pire, on se casse. Voilà. J'ai pas trouvé de choses inflammables ni rien. Ça porte très très bien. Alors, ok. Mais qu'est-ce que... Mais non. Mais qu'est-ce que... Utilise-le sur toi-même. Bon, on va le ranger. Hein, je Il va falloir que je révise un peu mes touches moi au prochain épisode. Hein. Prochain épisode qui va bientôt arriver. Alors. Wow, c'était très chaud là, ce que je viens de faire. Ah oh, c'est bon, je peux tomber. Hop. Si, j'arrive. Merde. Allez, défonce-les. Allez. Mais faites patiente un peu. Je suis blessé de partout. Eh ben, coucou. Il était temps. Qu'est-ce qui se passe ici? Désolée, je m'appelle Sarah Flores. Je suis marchande d'art. J'avais rendez-vous avec un... Je suis un peu blessé de partout aussi. Quoi? Vous êtes pas flic? Je ne sais pas plus que vous. En fait, je me souviens de rien avant mon réveil ce soir. Ni de mon nom, ni de mon adresse. Vraiment rien. Génial. Mon sauveur est encore plus paumé que moi. Eh oh! Est-ce que quelqu'un... C'est bon, arrêtez de crier. Ils sont sûrement morts. Ou pire, quelque chose pourrait vous entendre. Quelque chose? Vous savez quoi? Même les rats en ont rien à foutre de nous. Vous avez pas vu ce que cet enfoiré fait aux gens? Bon, ça suffit. Pour l'instant, le seul enfoiré ici, c'est... Oh putain!
C'est quoi ces trucs? Votre équipe de sauvetage, apparemment. Non mais attends, elle se permet de me traiter d'enfant après l'avoir sauvé? C'est sérieux? Premier étage, arrivé. Mais qu'est-ce que c'était? Alors. Je crois que ça va. Et toi? Science! Je peux pas me asperger ici. C'est très bizarre. Le truc ridicule. Wow. C'est quoi ce truc? Ce n'est rien. Allez, fais-moi la courte échelle. Hop. Voilà. Bah on va le ranger hein. Je sais même pas s'il reste des balles d'ailleurs. Si, il en reste 7, ok. N'essaie surtout pas de profiter de la situation. Arrête de rêver. La meuf quoi, comment elle est désagréable. Comment j'ai envie de te tâtonner toi. Qu'est-ce qui s'est passé ici? On se croirait sur un champ de bataille. Et tu regardes la meuf. Ici, je pense que ça peut être. Qu'est-ce que je commence à me faire un peu au. Comment dire, aux touches. Ben, on va s'arrêter là, les amis. On va se demander ce qui va se passer par la suite. Est-ce qu'on va découvrir ce qui se passe dans New York? Qu'est-ce qui se trame? Qu'est-ce qui fait que tous ces monstres soient si envieux de notre sang? Enfin, voilà. Et est-ce qu'on va pouvoir la draguer? Est-ce qu'on va pouvoir la mener dans notre futur lit? Nous le saurons au prochain épisode. Tu fermes ta gueule femelle. Merci, au revoir. Ciao ciao. Surtout n'hésitez pas à liker, à commenter ou à disliker si vous n'aimez pas du tout. En bref, à tout à l'heure. Enfin, à tout à l'heure. Pour moi, à tout à l'heure, mais pour vous, à la prochaine, donc à demain. Et surtout, n'oubliez pas. Au plaisir.